C'est une cérémonie officielle. Parce que les époux qui acceptent de vivre ensemble, si cette planète est terre, terre de nos ancêtres, terre des hommes, prennent devant l'État un engagement. Et moi, je connais la loi divine. Les deux familles se connaissent. Aucun impact ne suit pas du droit. Marie-femme et la communauté congolaise aujourd'hui, juste pour la cérémonie de mariage. C'est concret, tout ça a été passé en famille. Et nous appelons mariage continu. Et par là, vous faites égal. Tu n'as pas l'homme, n'est pas mariage. Et tu n'as pas votre épouse. On ne parle plus de ménage. Le mariage, c'est quoi? C'est l'ensemble aujourd'hui. Et le ménage, c'est quoi, monsieur? C'est le père, la mère, vos enfants biologiques. Mais mon ami, il ne faut pas oublier que nous sommes africains, congolais, okay. Nos neveux, nos cousins, nos nièces, nos orphelins. Et madame, nous ne sommes pas en Europe. Canada, Italie, c'est l'Europe. Là-bas, ce sont les femmes qui sont les gens. Au Congo, ce n'est pas le cas. Au Congo, c'est un bateau. Et dans un bateau, qu'est-ce que c'est? Mais attention. Attention. Parce qu'il y aura un meilleur dans l'arrière. Il y aura aussi des filles. Et si vous cliquez tout dans l'eau. Le meilleur, c'est quoi? C'est manger, et danser, et boire. C'est ça, les meilleurs. Les filles, c'est quoi? C'est taper la femme, taper les enfants, et vous sautez la 5 points, vous payez la bière insoulable. La vainqueur. Une femme sage pour les 25 ans. Oubliez ça, c'est votre. Maman caresse. Et quand moi j'avance, vous avancez. Avançons.
acclamons, néné, 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 acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons, néné, acclamons, acclamons. Merci, 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 merci. Merci. Néné, attendez, attendez, quand je parle, attendez de vous. Néné, j'ai oublié une chose. Il y a les filles de Sarah. Dans nos églises des réveils catholiques protestants. Juste pour chercher un mari. Et toi, un beau cadre. Le monsieur. Alors, il y a un pernati. Et vous allez jouer. Je n'ai pas. Hein. La cérémonie sera bilingue, français et lingala. La langue française, et ça c'est notre langue de travail. Nous qui sommes agents et fonctionnaires de l'État, qui font aussi le business, le commerce, ça c'est notre langue de travail. Tandis que quinoise et quinoa, nous nous comprenons très facile. Moninga Bali, 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 chers témoins, je vous dis une chose. À l'époque coloniale, pour être ministre, vous devez être sélectionné par Néné et son épouse. Et vous êtes sélectionné. Et croyez-moi, nous sommes pleins. Elle dit l'amen. Là-bas, amen. Amen. Ok. Viens aller vous asseoir. Viens aller vous asseoir. Maintenant, nous allons recevoir l'officier de l'état civil. Papa, micro dans le dégris. N'a pas quand? Officier de l'état civil. Je vous donne le programme de la toute cérémonie officielle. Donc, commencez par l'hymne national. Mais je Restons debout momentanément. Je disais tout à l'heure que dans notre pays,
la République démocratique du Congo RDC aussi. Toutes les cérémonies officielles, c'était une chanson fédérale pour le pays, un pays riche, prospère, dynamique, dirigé par son excellence, Monsieur le Président de la République. Fatima! Je n'ai pas entendu Fatima! Alors DJ, hymne national. La cérémonie, les prérogatives de cette qualité à la matière, monsieur l'officier, très bien accordé. Et je disais tout à l'heure devant ensemble, devant les couples de mes parents et marraines, que la cérémonie me reste civile. Aujourd'hui, nous sommes le 22e jour, mois de juillet, au nom de l'Auguste Assemblée et de l'officier de l'état civil, la séance est déclarée ouverte. Acclamez les couples très fort avec des cris de joie. Que vive le Benga. Merci beaucoup. Et voilà maintenant, couple de mes parrains, marraines de 10 ou 8. Juste pour les acclamations à leur égard. Et bien, couple, c'est une précision. Maintenant, je vais devoir inviter l'officier de l'état civil juste pour lire les mots de bienvenue et de circonstance. Écoutez l'officier. Très bien. Alors, pour suivre le mot de circonstance. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués invités, chers futurs époux. Le mariage est un acte solennel, légal et officiel. Les époux qui acceptent de vivre ensemble pendant toute leur existence sur cette planète prennent devant l'État un engagement, un contrat à vivre. La République démocratique du Congo tolère les autres formes d'union admises par la coutume. Les usages de la vie moderne. Mais on reconnaît légalement que le mariage célébré devant l'officier de l'état civil qui, ayant les prérogatives de cette qualité en la matière, les consentements des mariages étant serment où les conjoints expriment devant Dieu et l'État leur volonté de s'unir pour le meilleur et pour le pays. Dans le cas de bonheur ou de malheur, les parents, les prêtres ou les amis auront à prodiguer les sages conseils aux heureux mariés pour leur propre bonheur, ainsi qu'à la viabilité de leur vie commune. Je vous remercie. Acclamons la bonne lecture de l'officier de l'état civil. Alors, sans plus tarder, sans pour autant m'en opposer la parole, je vais devoir inviter les couples de se mettre debout et de regarder l'assistance. Devenez-vous, tourne. Acclamons. Soboto. Soki na zongi pa na bino na obaki makamoni do na français. Donc ande biso linga to na malamu. Ya ona zongi si ba na liboso na bino pour la loi divine. Bala moi si nous sommes sur la ça non. Il y a un on peut être prêt pour la balle. On peut être prêt pour moi ça du concerté. Et où gagne? Alors, moi, mon ami, yebi, aloba. Mais il y a un il faut avoir des preuves tangibles. Et quelles sont les preuves tangibles? C'est l'acte de mariage contraire de la commune des Calabres. Je dis bien.
J'insiste. Alors, je vous accorde tous 375 secondes pour raisonner. Mais au moment où je vous parle, il vous reste 14 secondes. La loi, c'est la loi, elle est dite, mais c'est la loi. Et je descends. Vous voulez démonter, je descends. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Alors il n'y a rien, clamons, il n'y a rien. Alors, regardez-vous en face. Et chaque témoin, vous commencez le travail. C'est-à-dire, vous avez un nom, on met l'officier. Alors, ça va en abyss. Mais tant que vous avez un nom, on a mis un bâle qui est en boulot. Ce qu'il y a, c'est au nom de Jésus de Nazareth. Ok, alors, non, il n'est pas officier. Vous la savez qu'il y a un nom, on va y aller en boulot. Ok, pas officier. Vous m'avez dit, Moussa, là, mon papa, maman. Ok. Voilà. Le sengoté, le temps nous fait de faux. Par rapport à la situation que tous nous connaissons, les embouteillages, j'ai fait 4 heures pour atteindre mon cabinet de service. Et 15 minutes. Voilà. Comme je l'ai dit tantôt, le temps me faisant de faux, par rapport à mon état de santé, je n'aurai pas le temps d'entrer dans des petits détails avec les explications sur les différents articles du Code de la famille. Toutefois, nous allons aller seulement à l'essentiel. Ceux qui me connaissent ici me connaissent. J'ai toujours beaucoup parlé en matière de mariage. Mais aujourd'hui, il ne serait pas le cas. Faute de temps. Mais toutefois, je renvoie nos jeunes mariés là où vous êtes venus au service de l'État civil pour procurer un extrait de la loi. C'est pour vous permettre de lire et de comprendre pourquoi on doit se marier, autrement dit, le but des mariages. Et surtout, savoir comment se gérer. Dans cet extrait, il y a une grande page réservée et qui parle uniquement que des mariages. Comment vous devez vous gérer? Lisez, Congolais, nous avons perdu cette culture de la lecture. On ne lit plus jamais, sauf, je sais quoi, c'est un grand événement, le mariage, parce que c'est aujourd'hui que nos enfants, nos jeunes mariés, bien, n'est-ce pas? Je totalise 72 ans par rapport à toi qui me demandais de mourir. Tu es encore jeune, hein? Bien. Je ne dis pas nécessairement aujourd'hui, demain ou après-demain, mais au jour de votre prominence, passez à la commune au service de l'État civil, vous procurez cette expérience. Pourquoi? Je vais vous aider dans une seconde avant d'attaquer l'étape des tours d'alliance. C'est quoi en fait le mariage? Pourquoi on se marie? Le coutumier qui n'est que simple formalité coutumière et ça n'a aucun impact juridique sur le plan du droit. Le religieux, simplement, pour permettre au tout puissant Dieu de vous prendre sa main en vue de bénir vos communions. Mais cette loi-là, congolais, ne reconnaît légalement que les mariages célébrés devant l'officier de la civile comme chez les Camerounais. Pourquoi on se marie? Parce que c'est le seul mariage qui vous protège et qui sécurise chacun de vous dans le monde. Bien le but. Le mariage a pour but essentiel, c'est de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux. Et partant de cette définition,
il devient un contrat entre deux personnes par le sang qui va vous conduire dans une progéniture qui en est le résultat de votre union. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais il faut bien les encadrer. Ces enfants sont des innocents qui n'ont pas demandé d'être les enfants. Et par conséquent, ils n'ont pas droit à la souffrance. Vous devez les encadrer pour les assurer une bonne éducation morale, physique et spirituelle. C'est pour les rendre pour la société. Manger convenablement, c'est à travers l'éducation que nous avons. Ok? La mère fidèle, elle vous a répondu. C'est du 8. Le deuxième verset du 8 dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui donnera son semblable, son pouvoir. L'homme cherchera une femme. Il est renchéri dans 24 en disant que l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Aimez-vous et surtout, profitez de votre jeunesse. Ok? Monsieur, d'après vous, la plus belle femme du monde, c'est celle qui a. N'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez? Il est là. Hein? J'aurais envie de prendre une main au lieu d'aller tuer les femmes. Elle est là. Vous avez une belle journée dans la maison. Un responsable, vous avez un réfrigérateur, une jeune musicale, et votre réfrigérateur, partagez le verre avec elle au salon. Vous avez une jeune musicale, vous êtes là, dansez avec elle. Et même si vous étiez dans votre chambre, en train de vous reposer, également là-bas. Vous devez danser, sauter comme vous voulez, casser ces lignes de bois, mettre un mouton à plafond et lorsque vous allez tomber. Alors est-ce que vous allez tomber? Oui. Néné, on va tomber. Oh, moi, allez, voilà. C'est Gaillard, un vainqueur. Dieu est merveilleux. Les hommes sont toujours pareils, même les femmes, elles sont toujours pareilles. Il n'y a rien de spécial. Rien. Et même. Ok, je pense que nous en avons les clients. Ils sont passés par là déjà. Aujourd'hui, 72 ans. On en a connu de toutes les couleurs. Hein, je me suis dit, quand je regarde derrière, la plus belle dame. La couleur, ma vieille dame. Et aujourd'hui, vieille, parce qu'elle fallait 69 ans. Il n'y a rien. Voilà, je vous ai dit au départ, j'ai beaucoup parlé à beaucoup, beaucoup à moi. Parce que nous sommes les amis, ce n'est pas le cas. Je vais citer abordant seulement deux articles de votre famille. Le premier, c'est lui. 541, qui stipule que, nonobstant toute coutume contraire, les mariages se dissoutent de plein droit que par la mort de l'un de vos époux. C'est la mort d'un de Paris. Ok? Malgré vos millions de dollars, personne d'entre vous deux n'aura ni les morts. La qualité ni le pouvoir de chasser l'eau. Personne. Si tel serait le cas, mademoiselle, madame, alors, la réponse est claire. Poliment, vous entrez dans votre maison, dans la chambre, vous passez la nuit, remballez également sa valise, c'était la dernière. Je vous dis tout simplement que nous devons tous libérer la maison. Ce n'est pas moi, c'est la vôtre. Elle est là. Et si vous ne vous occupez pas d'elle, c'est elle qui s'occupera de vous. En France, l'article 543, il stipule que la mort de l'un de vous ne donne lieu ni au remboursement de la dot, ni au paiement. Vous voulez que lorsqu'on va douter une femme, on sait quoi l'avoir achetée. Pas seulement l'acheter. Ok? Vous avez dansé avec cette jolie dame. Hein? Vous n'avez pas peur de cette belle chevelure.
télé pour que la vie est disponible. Personne n'était là. Rien n'a réclamé. C'est vrai qu'à Samba, c'est pas facile. C'est un maudit. On sait, il n'y a plus rien à réclamer. C'est vrai que cet amour-là est fini. Ok. Voilà, rapidement. En termes de l'article que je devais parler tout à l'heure, j'ai énuméré quelques points seulement essentiels. Procurez-vous l'extrait, lisez, je suis que je crois, je suis en face des intellectuels pour vous. Lisez, vous allez voir. Bien, regardez-moi. Changez-vous de place. Comment passer la grâce? Comme j'avais dit. Regardez-moi en face. Est-ce qu'ils ont signé? Est-ce que c'est bon? Non, pas encore. Au niveau de toi, on peut être passé là, on peut être passé. Alléluia. Voilà. Avant d'en arriver là, je me suis d'aller un peu vite en maison. Non, non. Je vais leur demander que chacun retourne dans la position qu'il était. Maman. Maman, je vous remplace. Excusez-moi. Moi, la gauche. Voilà, comme je le dis tantôt, nous sommes à l'étape des ports d'alliance. Un long bague comme vous voulez, mais ça ce n'est qu'un symbole. Là je suis en train de m'adresser aux jeunes de cour. Ce n'est qu'un symbole, mais le vrai et véritable amour, c'est le fond du cœur de chacun de vous. Alors nous avons toujours commencé par l'homme. Je veux devoir en premier lieu l'étendre au futur époux, qui est l'homme, qui va tirer l'anneau, celui destiné à celle qui deviendra votre moitié. Sur l'annulaire de celle qui viendra votre moitié tout à l'heure, je veux vous demander de formuler un vœu, une promesse ferme, dans une des langues de votre choix, la langue où vous vous sentez à l'aise, à haute voix, le micro est là. Qu'est-ce que vous promettez à cette dame? Voilà. Allez, go. Introduisez l'anneau. Il a ce vœu que I love you. Il y a un charisme.
Fala, papá. Ça va? Après, on peut y passer un peu.
La réponse doit être escomptée. Et nous sommes devant l'officier d'état civil. C'est-à-dire nous sommes devant les tambours. Est-ce que Néné, il paraît être de votre épouse? C'est votre femme. Et quand je vais vivre ces contraintes, vous serez arrêté. Passez-moi. Ah ouais. Néné. Au bout tout. Il paraît être l'homme que je vois là-bas bien habillé, c'est un grand feu à vous. C'est là la place du femme mariée. Toujours à droite de son mari, de votre mari. C'est là votre place. Partout alors, il ne faut jamais accepter d'être passé à la tour à gauche. Sinon, on va vous prendre. Partout alors, à chaque mouvement, je veux savoir comment vous sentez. L'assistance, nous venons tous de constater ces grands changements qui viennent s'intervenir tout à l'heure. À l'entrée ici, j'étais un futur époux et la future épouse était placée à la gauche de son véritable couple. Chers amis, je vous appelle aussi amis simplement. Parce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle de 52 ans de mariage. Et cela, pas aussi. Ce n'est pas facile de dire. Avec la volonté, la puissance. Et voilà. Ce soir, vous avez entendu en un mot, mais vous êtes. Si à un mot ou un élément me manquait, c'est peut-être celui d'implorer le Tout-Puissant Dieu que tout ce que vous allez lui demander vous sera accordé. La page des photos souvenirs, la première photo, nous serons de toi. Ensuite viendra le tour de témoin. Papa et maman. Et vous laissez poursuivre avec le C'est moi le coach, attention. Bravo, Bill! Au pire, Bravo! 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 Bravo